Bauer Masterclass. Bonjour à tous, à tous les passionnés d'animaux de la spire. Permettez-moi de vous présenter trois jeunes femelles qui ont exactement 3 mois et demi maintenant. Et les deux jeunes, le jeune mâle là-bas et la jeune femelle là-bas et le jeune mâle là-bas, qui eux ont tout juste 2 mois. Mais je les ai sevrés parce que la maman avait un petit problème de santé. Il fallait régler, donc je les ai sevrés. Donc ça ne bouge pas de chez moi, vous avez bien compris que ils vont être magnifiques. Les autres, je les ai sevrés, ils n'étaient pas plus beaux que ça. Alors, le Kalahari Red. On en a entendu parler, ils nous ont chanté de belles paroles. On ne les a jamais vus en Martinique. Et puis un petit gars d'ailleurs, puis l'autre les fait entrer. Boudoum! Et puis il les présente, et puis il dit, je suis là, et puis je vais vous montrer. Il faut arrêter de rigoler, les gars. Vous voyez, pas que je sois arrogant, mais j'aime bien me moquer de ceux qui ont pensé que j'étais un plaisantin. Vous savez, je vais toujours, tant que je peux, tant que je suis vivant, à bout de ce que je décide. Regardez-moi le mal, regardez-moi ça. Ça va être placé, hein, mais tout près de chez moi, parce que hors de question de l'emmener plus loin. Regardez-moi le rouge vif, une fois que les bêtes sont bien sevrées, regardez-moi, le rouge est vif, le poil luisant, c'est quand même exceptionnel. Hein. Oh là 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 là. Magnifique, regardez-moi, moi c'est ces deux bébés là que j'adore. J'aime beaucoup parce que la femelle, bien sûr, ne sort pas de chez moi. Le mâle, bon, j'ai décidé de le mettre, le déposer pas loin de chez moi. Il a très très un portrait très très large. Ce mâle là va surprendre plus d'un. Et j'ai confiance en la personne à qui j'ai confié ce mâle. Parce que c'est vraiment, je l'ai vraiment confié. Et puis on verra, vous en entendrez parler, il sera magnifique. Mais comme tous les animaux qui sortent d'ici. Alors, la particularité du Bauer rouge, je ne sais pas s'il y en a. Hein. C'est exceptionnel, c'est beau à voir. Vous savez, quand vous avez des cabris de cette qualité, vous ne vous en lassez pas. Vous venez, on a les fils du champion Lars, qui sont les filles, pardon, du champion Lars, qui sont nées avec une jeune chevrette de chez moi. C'est le feu, 10 feux dimension. Il faut voir le poitrail des animaux. Les rouges sont en poitrail, c'est du sérieux. Hein. Ce qui arrive là, c'est, ils n'ont jamais vu ça. Du Canadien, en veux-tu, en voilà. Donc voilà, les bêtes sont là, elles sont magnifiques. Regardez-moi le petit mâle. Regardez-moi la musculature. Regardez le petit muscle qui commence à venir. Mais c'est du feu, les gars. Regardez juste le petit muscle qui est là, là, là. Pour la femelle, c'est ici. C'est comme une petite boule, vous voyez? Là, là, mais ça, c'est le top, les gars. Et vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous savez, quand vous avez 20 ans d'expérience comme Bauer Masterclass. 20 ans d'expérience, pour ne pas dire exactement 22 ans d'expérience. Comprenez? Et oui, j'ai commencé tout. Quand vous avez 22 ans d'expérience, vous savez où reconnaître. Regardez-moi le poitrail du petit mâle. Vous pensez quoi? Comment vous êtes dit Jean Raphaël ici? Y'a alors? Hein? Vous autres, comment vous êtes savoureux nettement avant? Messieurs, ici, il y a de la qualité. Je recherche la qualité dans le monde entier. Je ne veux pas entendre, tu ne pourras pas avoir, c'est ça, m'excite pour en avoir plus rapidement encore. Quand on m'a dit, tu ne pourras pas, je dis, mais non seulement je pourrais, mais j'y vais tout de suite les chercher. Voilà, ils sont là, les Kalahari Red. On me disait, ça ne va pas entrer, tu ne pourras pas. Oui, les gars, vous ne pouvez pas, pas ça faille. Nous, et puis laissez l'expert faire, l'expert en Péras. Regardez-moi, ça c'est notre première femelle hollandaise. Fille du champion Quintus, on voulait un fils, malheureusement on ne nous a donné qu'une seule femelle, qui est très 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 petite, on a trouvé ça vraiment bizarre, un peu à l'image des deux femelles que je vais vous montrer, et puis elle est devenue énorme, c'est du jamais, c'est du béton. Alors, oui, je sais, je vois, vous vois déjà, pour ceux qui connaissent, la maman fait plus de 110 kilos, donc c'est normal, vous allez me dire, voilà les filles du champion Lars. Alors regardez la longueur des animaux, c'est ça qu'il faut voir, il faut voir la longueur des bêtes. Le poitrail, la musculature déjà dessinée, comme pour vous dire, l'aube d'un champion et de championne. Ces bêtes sont déjà vendues, bien sûr, réservées à la naissance. Hein. Il n'y a pas de Dieu. Hein. Naissance. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. J'aimerais vous faire voir les longueurs. C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'elles n'acceptent pas de bouger. Regardez-moi ça. Regardez les poitrails. Regardez la longueur des femelles.
Elles sont magnifiques. Deux bébés, elles sont magnifiques. Oh là là là. Aujourd'hui où nous parlons, elles ont 7 jours, donc une semaine. Elles sont magnifiques. Regardez-moi ça, elles sont magnifiques. Là, elle m'a dit, oh, la famille, ouais, la maman aussi. Point importe, elle a des cutanés, hein, c'est pour un masterclass quand même. Voilà. Puis affaiblie par les petits, parce que les petits têtent beaucoup, têtent bien, il y a du lait, il y a ce qu'il faut. On va voir ce que ça va donner, mais voilà, les champions là aussi. Et là, il y a le diffamé. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Je vais envoyer un peu d'herbe sur eux pour voir comment ils vont. Voilà. Pour qu'ils puissent bouger un petit peu, vous montrer. Regardez-moi ça. Des jeunes femelles, les gars. Il n'y a pas de jeu là. Hein. Mais il nous faut cette qualité. La Martinique avait besoin de cette qualité-là. La Martinique avait vraiment besoin de cette qualité-là. Il nous fallait ça. Allez, bouge, bouge, bouge. Je vais vous montrer ce dos, il faut voir ça. C'est pas dur, hein. Donc, je suis jaloux du petit mâle. Le petit mâle là, je vous dis quelque chose. Hein. Ma réputation en jeu. Ça là, ce sera l'un des plus gros mâles rouges de la Martinique. Et monsieur, ma réputation est en jeu. Dans cette affaire, vous l'aurez bien compris, je me suis rarement trompé. Rarement. Et les seules fois où je me suis trompé, je disais que vous allez être à peu près, ça a fait des choses, des petits monstres. Donc nous sommes là pour voir de belles choses en Martinique avec de nouveaux arrivants et de nouvelles femmes aussi qui vont se lancer très bientôt, à l'image de Sandrine. Hein? Voilà, donc à l'image aussi de Ruth. Et puis il y en a d'autres qui viendront derrière. Hein? Ça va faire du bruit. Merci beaucoup à Masterclass et à bientôt.